La première unité de la mutuelle financière DEFA-MUFA, inaugurée le 8 mars dernier par le président de la République, mise sur le partenariat avec Afrilinvest Bank pour aider les femmes à créer la richesse. Au cours d'une conférence de presse organisée à Kinshasa, le directeur général de cette banque soutient ces structures financières féminines pour rendre les femmes plus autonomes. Désormais, les femmes congolaises peuvent compter sur l'appui de la mutuelle financière de femmes africaines pour leur prise en charge pour des projets de développement. Cette structure financière, inaugurée le 8 mars par le chef de l'État, a un apport technique de taille de la banque Afrilinvest Bank. Cette banque décide d'accorder des lignes de crédit à taux bonifié à cette mutuelle. Au cours d'une conférence de presse organisée à Kinshasa, le directeur général adjoint de cette banque explique les raisons de l'accompagnement de son institution à cette structure financière féminine. Son rôle consiste à accompagner cette structure d'appui au développement des femmes dans la formation sur la gestion structure financière. Afrilinvest Bank accompagne aussi la MIFA dans les contrôles. Nous leur attribuons des crédits à des taux bonifiés pour pouvoir financer les activités de leurs mutualistes. L'accompagnement de la MUFA par Afrilinvest Bank laisse tarauder les esprits de certains Congolais. À la question de savoir que gagne cette banque en parrainant la mutuelle, son directeur général adjoint répond. Nous, Afrilinvest Bank, CD, en tant que banque africaine, en tant qu'Africains, nous les acteurs, les dirigeants de la banque, lorsque nous voulons aider la population, la couche de la population démunie, nous ne devons pas regarder en fait qu'est-ce que nous gagnons, parce que cela fait partie de notre responsabilité sociale. La MUFA est née d'une volonté de doter les femmes africaines démunies ou exerçant dans l'informel d'instruments financiers leur permettant de répondre à leurs besoins individuels et familiaux. L'une des causes qui a rapproché Afrilinvest Bank à cette mutuelle.